sommes en direct dans l'hôtel de la Cité à Carcassonne pour la présentation des recrues de l'USC pour la saison 2019-2020. Alors pour les supporters de l'USC, pouvez-vous vous présenter ainsi que votre parcours sportif? Alors, bonjour tout le monde d'abord. Je vais me présenter en quelques mots. Je m'appelle Félix Leboris, je suis originaire de Paris. Je suis ensuite parti à Montauban et après Montauban, j'ai rejoint Carcassonne à l'époque, il y a 9 ou 10 ans, quand Montauban a écoulé pour la première saison de Carcassonne en Pro D2. Je suis ensuite parti. J'ai fait plusieurs années à Bordeaux-Bègles où c'était un très bon moment. Et après, j'ai suivi des chemins différents. Je suis passé un an à Bayonne, 2 ans à Brive. Et maintenant, je reviens à Carcassonne. Très bien. Comment se passe votre adaptation au sein de votre nouveau club, ainsi que surtout avec vos partenaires? Franchement, très bien. Je suis très content. J'arrive dans un groupe qui a l'air hyper sain. Il y a une très bonne ambiance et il n'y a pas du tout de. Enfin, franchement, c'est hyper naturel et ça se passe très bien pour le début. On souffre tous ensemble sur le physique. On a fait des bonnes séances de rugby où ça piquait bien et pour l'instant, tout va bien. Alors c'est aussi le moment de la préparation physique, le système de jeu qui se met en place et aussi le staff. Comment ça se passe un petit peu avec le staff? J'apprends à découvrir le staff, puisque moi, quand j'étais passé, c'était Christian Labitte qui était manager déjà à l'époque, mais qui est revenu. J'ai joué avec les deux entraîneurs. Julien, j'ai joué avec lui à Julien Seron, j'ai joué avec lui à Bordeaux et Mathieu Sidre avec lui à Carcassonne. Donc je les découvre dans leur nouveau rôle, dans leur nouveau métier. Ça se passe super bien. On est en train de développer, comme vous l'avez dit, les systèmes de jeu. On apprend tous les nouveaux, on apprend les codes et les annonces. Donc il y a du boulot, il y a du boulot physique, mais il y a du boulot de mémorisation et c'est un moment agréable. Puis les anciens nous aident bien, donc franchement ça se passe très bien. Allez, la question qui tue, les objectifs de l'USC pour cette saison 2019-2020 sont clairement d'assurer le maintien dans un premier temps, mais aussi de jouer les outsiders face aux grosses écuries d'une Pro D2 relevée et passionnante. Qu'en pensez-vous? J'en pense que de toute façon l'objectif, je pense que ça sera de faire mieux que l'année précédente. Comme tous les ans, bien sûr, mais s'améliorer dans le jeu et puis prendre du plaisir et donner du plaisir aux gens qui viennent. Mais comptablement et au niveau du classement, on sait que ça va être difficile. C'est comme vous l'avez dit, une Pro D2 très relevée avec Oyonnax qui reste en Pro D2, Grenoble qui descend et Perpignan qui descend et qui vont être, je pense, très bien armés. Donc à nous de faire au mieux. Et pour moi, l'objectif qu'on devrait, enfin que moi j'aimerais qu'on se fixe, ça serait de pas perdre ici à Domecq ou au moins on perd le moins de matchs possible à domicile. Allez, dernière petite question. Quel est votre meilleur souvenir rugbystique dans votre carrière? Wow. Si j'en avais un seul à garder, je pense que ça pourrait être la victoire avec Bordeaux contre Toulon où on avait gagné 41-0 et c'était à l'époque on était la petite équipe de Bordeaux qui affrontait les mastodontes de Toulon, et c'était quand même un jour assez exceptionnel pour nous, donc ouais, c'est un beau souvenir.